Voilà, c'est fait. Les réparations sont complétées. J'ai remplacé ici la pine avec la plaque, avec une nouvelle vis. J'ai déplacé cette pièce-là pour qu'elle soit bien orientée. Une fois ça fait, on peut installer la fourchette. On va mettre la fourchette à sa place. On l'a verrouillé avec le petit loquet. C'est à sa place. Maintenant, on peut mettre la soie. Une soie neuve, une fourchette neuve aussi. Parce que les pièces qui étaient là n'étaient pas des pièces qui étaient appropriées à cette horloge-là. Donc on va mettre ça, c'est pas évident, c'est tout petit. Hein? Donc, c'est à sa place. On va mettre. Et on déverrouille. On va voir si ça tient le temps. On l'a ramaché. Je l'ai fait fonctionner pendant 2 jours en continu. Les ajustements sont faits. Ici, là, la fourchette, la courbure ici a été adaptée pour ce poids-là. La fourchette est neuve, la soie ici est neuve, la tige est neuve aussi. Donc, on est bien parti. Il me reste maintenant installer ça dans son mouvement pour vérifier s'il tient le temps correctement.